relativement simple dans son principe, beaucoup plus complexe à relier, car les principes qui sont exposés ne se traduisent pas forcément en action de manière très facile, et c'est bien l'objet de cet exposé. Qu'est-ce que le franc-maçon fait dans la loge et qu'est-ce qu'il fait dans la cité? Alors il est peut-être bon, en préambule très court, j'essaierai de ne pas dépasser une demi-heure d'exposé, de rappeler la dualité de ce qu'est la Grande Loge de France. Et d'abord, ce nom Grande Loge de France, bien évidemment, c'est le nom de la Grande Loge en France, mais hors de France, et nous avons beaucoup de loges qui sont hors de France, et quand on me pose la question, on m'a posé la question à Madagascar récemment, je réponds toujours très simplement que c'est la Grande Loge qui vient de France. De la même manière que la question que vous connaissez tous en anglais, where are you from? Eh bien la Grande Loge, elle vient de France. Elle n'est pas simplement la Grande Loge en France et à l'étranger, c'est la Grande Loge tout court. Alors cette Grande Loge a deux définitions qui situent très précisément le problème. La première définition, c'est que c'est un ordre initiatique, traditionnel et universel, fondé sur la fraternité. Ordre initiatique, cela pose très précisément le caractère de ce qu'est la Grande Loge et en même temps détermine ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle ne doit surtout pas être. Elle est un ordre initiatique, elle n'est d'aucune manière un succédané d'une religion quelconque et est encore moins une structure politique, associative ou syndicale. Mais la deuxième définition semble venir contredire la première. Car la deuxième définition, c'est la ligne suivante de nos constitutions, dit ceci: la Grande Loge de France, c'est une alliance d'hommes libres et éclairés. Et vous avez entendu dans le rituel qui vient de vous être déroulé en quelques minutes, alliance d'hommes libres et éclairés, travaillant au perfectionnement spirituel, intellectuel, moral et matériel de l'humanité. Vous me direz, alliance d'hommes libres, travaillons au perfectionnement de l'humanité, au progrès de l'humanité, cela sous-entend quand même une action dans la société qui pourrait être celle d'une action politique. C'est celle d'une action politique qu'à la seule condition de prendre politique au sens noble du terme, c'est-à-dire dans son sens étymologique, la politeia. Vous connaissez ce nom, c'est l'ouvrage de Platon, dont le titre La République, le titre exact c'est politeia. Ça n'est d'aucune manière la République. La politeia, c'est simplement l'organisation et la vie de la cité. Dans cette seule acceptation, la Grande Loge, bien entendu, par l'intermédiaire de chacun d'entre nous en toute liberté d'action et d'appartenance politique, une action nécessaire dans la cité. La question qui se pose est de savoir ce qu'il faut privilégier, le caractère initiatique dans l'ordre ou l'action personnel dans la cité. Alors sur ce sujet, on peut d'abord s'appuyer sur, de manière superficielle, pour ne pas dévoiler nos rituels, mais quand même on peut s'y appuyer un peu, puisqu'un certain nombre de choses sont connues du public. Ensuite, de s'appuyer sur les textes fondateurs de la franc-maçonnerie, et notamment de la franc-maçonnerie de rite écossais ancien et accepté, qui est le rite pratiqué exclusivement par la Grande Loge de France. Ensuite, sur un certain nombre de philosophes dont la pensée, et vous le verrez, pour les maçons du moins, a inspiré beaucoup de nos textes rituels, sans que bien souvent on y fasse allusion. Et ensuite, peut-être de prendre un exemple concret, et l'exemple concret que je prendrai, c'est tout simplement l'exemple de la question de l'étude des loges, qui est en cours depuis 2 ans et qui a trait à la justice. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit, dans les questions-réponses qui ont mis le rituel en œuvre, que le franc-maçon préférait en toute chose la justice et la vérité, et que nous étions à la recherche de la vérité. La question d'étude des loges de cette année, c'est pourquoi le franc-maçon doit-il préférer la justice, avec des déclinaisons qui ne sont pas dans le rituel, et qui pour certains de nos frères ont posé problème, parce que, quelque part, le dernier alinéa est très concrètement une invitation à réfléchir sur le problème de la justice dans la société. C'est-à-dire sur la justice sociale, nous ne voulons pas la face. On m'a dit qu'on ne peut pas traiter ce genre de sujet en loge. Je voudrais vous montrer, pour les maçons, qu'on peut traiter ce genre de sujet en loge, et pour les non-maçons,
qu'il y a une démarche maçonnique qui permet d'aborder cela de manière très particulière. Alors, en ce qui concerne nos textes rituels qui nous parlent de tout cela, je crois qu'il y a d'abord la première chose, c'est de savoir dans quelle structure s'intègre l'action du franc-maçon. Eh bien, elle s'intègre d'abord dans la loge, dans la démarche initiatique qui est proposée par la loge, démarche initiatique qui se fonde sur deux outillages d'une simplicité redoutable, c'est-à-dire la volonté de se perfectionner et la méthode initiatique. Volonté de se perfectionner, cela consiste à au moins à penser que l'on peut s'améliorer en travaillant, ce que j'espère vous partager, et que l'on peut, en travaillant, s'améliorer soi-même, puis ensuite améliorer le travail dans sa loge, améliorer son travail dans la vie professionnelle, améliorer son action dans la vie familiale, et par-delà, améliorer ensuite la société dans laquelle on vit. La volonté de perfectionnement, c'est un outil relativement simple dans son concept. C'est un outil beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et ça, c'est l'expérience qui montre que c'est difficile. Et le deuxième outil que l'on donne à l'apprenti, c'est-à-dire que l'on donne pour les 33 degrés du rite, c'est tout simplement la méthode initiatique. Et la méthode initiatique, c'est aussi quelque chose de remarquablement simple. Vous lisez les dialogues socratiques de Platon, et vous avez exactement ce qu'est la méthode initiatique. C'est une méthode par exposé, question-réponse, de manière à essayer la maïotique socratique, c'est d'accoucher une certaine vérité. Et donc la méthode initiatique, c'est par ce jeu de question-réponse dans un cadre très ritualisé, qui interdit fondamentalement le débat contradictoire et l'agression d'opinion de tel à tel, mais qui permet d'avoir des points de vue différents sur la même réalité. Ce débat maïotique, c'est la méthode initiatique. Alors, à partir de là, certains de nos frères pensent que l'essentiel se passe dans la loge, et parfois certains pensent que la totalité se passe dans la loge, et qu'il n'y a que la démarche initiatique qui compte, c'est-à-dire que nous sommes un ordre initiatique, et qu'il n'y a que cela à faire. C'est oublier la deuxième définition, et bien entendu on a toujours tendance à oublier ce qui ne nous arrange pas, qui est celle d'être une alliance d'hommes libres et éclairés, travaillant au progrès de l'humanité. Je n'ai pas dit ça tout à l'heure. J'ai dit qu'on travaille au progrès spirituel, intellectuel, moral et matériel de l'humanité. Ça veut dire que cette alliance d'hommes libres et éclairés travaille d'abord au progrès spirituel de chacun d'entre nous, et ensuite au progrès intellectuel, et ensuite au progrès moral, et enfin seulement au progrès matériel. C'est-à-dire que l'ordre des termes est fondamental. On ne commence pas dans une loge maçonnique par travailler au progrès de l'humanité, c'est-à-dire par faire de l'action sociale. Cela n'aurait aucun sens pour faire de l'action sociale. Si c'est cela qui vous intéresse le plus, je vous encourage à ne surtout pas rentrer dans une loge maçonnique et à vous inscrire dans un parti politique, quel qu'il soit, dans un syndicat, quel qu'il soit, et à vous y consacrer, car ce sont des actions qui sont tout à fait nobles, qui enrichissent l'homme, mais qui n'ont rien d'initiatique, et qui n'ont rien à faire dans une loge maçonnique, contrairement à ce que pensent certains maçons dans certaines obédiences. Par contre, travailler sur le plan du perfectionnement spirituel d'abord, intellectuel, moral, et ensuite, cela va demander, facilement une dizaine d'années. La démarche initiatique est très longue. Et ensuite seulement, quand vous aurez bien intégré ce qu'est une démarche de perfectionnement spirituel, intellectuel et moral, il vous sera possible individuellement, d'agir dans la société de manière maçonnique, mais pas avant. Cela veut dire également, et c'est spécifique à la Grande Loge de France, que dans ce cadre-là, la loge, car la Grande Loge n'est pas une loge, c'est une fédération de loges, chaque loge a sa culture, son indépendance, la loge ne vous donnera jamais la vérité à laquelle il faut croire. Vous avez entendu tout à l'heure, je pense que c'est le Vénérable Maître ou le frère orateur, rappeler que nous cherchons la vérité, mais que l'un de nos anciens grands maîtres, c'est une formule que je cite de temps en temps, c'est Michel Barras, il avait dit dans une formule percutante, le franc-maçon se situe entre Saint-Jean et la République. Saint-Jean, parce que nous sommes des loges de Saint-Jean, pour des motifs qu'on peut expliciter si vous le souhaitez, et la République, parce que la Grande Loge, qui est née en 1728, est une institution de la République.
trois siècles d'histoire de la Grande Loge et trois siècles d'histoire essentiellement sous la République, sous deux empires bien évidemment, mais essentiellement sous la République, et les maçons de la Grande Loge ont contribué à façonner pour une grande partie les lois successives de la République. Alors voilà ce que je veux dire dans nos rituels. Oh, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est tout simplement rechercher la justice et la vérité. Mais si on va dans le détail, on peut très bien retrouver. Et c'est dit dans le rituel d'initiation. Lorsque le nouvel apprenti, parce qu'il est devenu apprenti, va entendre quelques généralités basiques sur ce qu'est la vie maçonnique, on va lui dire tout simplement que la démarche maçonnique vise à le faire devenir, à nous faire devenir tous ensemble des éléments utiles et conscients de la société. Je pense qu'il n'y a rien de plus à ajouter. Devenir des éléments utiles et conscients de la société. Utiles pour travailler dans la société, conscients pour savoir ce que l'on y fait, et être capable de juger sa propre action dans la société. C'est-à-dire de savoir regarder son action et de savoir la critiquer. Regarder, agir dans la société, c'est à la portée de tout le monde. Je suppose que nous agissons tous dans la société. Regarder sa propre action dans la société, c'est déjà beaucoup plus difficile. Mais apprendre à critiquer sa propre action dans la société, je pense que très peu y arrivent. J'ai parfois tendance à croire que personne n'y arrive vraiment. Et c'est là où également où nous avons du travail à faire. Il est également prévu, je pense que c'est un degré qui n'est pas le premier, d'acquérir la connaissance des arts libéraux, c'est-à-dire de toutes les sciences qui sont utiles à l'homme. Les arts libéraux, ce sont les arts libéraux de l'Antiquité, qui tombent de sept, la géométrie, la rhétorique, l'astronomie, la mathématique, etc. Mais les arts libéraux, ce sont ceux qui libèrent. Ce sont ceux qui libèrent parce qu'ils permettent de connaître la nature et d'agir sur la nature. Et donc, après une phase où il est prévu dans le début de l'initiation d'apprendre chacun à se connaître soi-même, on souhaite que chacun d'entre nous puisse apprendre à connaître le monde, mais pas de manière indifférenciée. Connaître le monde à travers les sciences et les arts qui s'appuient sur la raison, sur la beauté, de manière à connaître le monde qui nous entoure avant d'espérer pouvoir agir sur lui. Et ça me semble tout à fait rationnel. Globalement, vous le savez très bien, il s'agit bien de travailler. Et pour les francs-maçons, je crois que chacun a à peu près deux religions, la sienne propre, qui ne concerne pas les frères de la loge, car nous n'avons pas à nous préoccuper des opinions religieuses ou politiques de chacun d'entre nous, ni l'absence du reste d'opinions religieuses, car on peut avoir une religion comme on peut ne pas en avoir du tout. Donc chaque franc-maçon a deux religions, sa religion propre ou son absence de religion, et d'autre part la religion du travail. Car la démarche maçonnique est une démarche qui est fondée sur le travail, travail individuel bien sûr, travail au sein de la loge, dans un cadre collectif, et ensuite travail à l'extérieur, dans le cadre de la société. Voilà, je ne m'apesantirai pas davantage sur les éléments basiques que l'on tire de nos rituels, car cela pourrait être détaillé dans le cadre d'une tenue maçonnique initiatique, dans le cadre d'une tenue blanche, et bien sûr sous l'étape de garder un minimum de discrétion et de secret. Le secret initiatique est fondamental par rapport à nos textes rituels. Par contre, si l'on s'intéresse à nos textes fondateurs, qui là sont des textes historiques que chacun d'entre vous peut se procurer dans n'importe quelle bonne librairie, alors là, vous allez voir que les choses sont beaucoup plus claires, bien plus explicites, parce qu'on ne viole aucun secret, et chacun d'entre nous peut expliciter à partir de ces textes ce qu'il en est. Et je voudrais m'appuyer simplement sur deux textes vraiment fondateurs du rite écosistentiel accepté, le discours de Michel de Ramsay qui date de 1736, et le discours des 13 illustres frères qui ont été tenus au convent de Lausanne. Le discours de Michel de Ramsay a été écrit. Il n'a peut-être pas été prononcé pour, comme on disait à l'époque, recevoir les ducs sous l'acacia dans une loge à Paris qui s'appelait Saint-Thomas-Louis d'Argent. Recevoir les ducs, c'était recevoir et initier les ducs du royaume ce jour-là. Michel de Ramsay était l'orateur de la loge et donc il a écrit un discours qui est fondamental car il est d'une importance majeure dans l'histoire de l'obédience
et dans l'histoire du rite écossais lui-même. Que nous a dit Michel de Ramsay? D'abord, il faut situer le personnage. Michel de Ramsay est un, je pense, écossais, qui était initialement protestant, comme l'immense majorité des francs-maçons qui ont créé pour partie la franc-maçonnerie ici même à Londres, dans une taverne qui s'appelait Loi et le Grill. Il était donc protestant. Il est venu en France et il s'est converti au catholicisme. Démarche fort inhabituelle pour un membre à sujet du royaume qui venait juste d'être uni. Et il est devenu le secrétaire d'un évêque prestigieux que vous connaissez tous, l'évêque de Cambrai, Fénelon. Étant initié, il était orateur de la loge Saint-Thomas-Louis d'Argent, qui se tenait rue de la Boucherie à Paris. Et en 1736, il a écrit un discours qu'il n'a peut-être jamais prononcé, mais ce discours est vraiment fondamental. 1736, nous sommes là, 8 ans après la création des premières loges de Paris, que les loges de province, avec une certaine dérision, appelaient la Grande Loge ou les loges de Paris dites Grande Loge de France. Bien entendu, il y a toujours une opposition entre, rassurez-vous, opposition pas très méchante, mais sur une opposition culturelle entre les loges de Paris et les loges de province. Ça existait déjà à l'époque, rien n'a changé. Et les provinciaux parlaient des loges de Paris en disant « dites Grande Loge de France ». Et l'appellation vient de là. C'est de ces loges qui étaient donc la Grande Loge de France à l'époque. Donc 8 ans plus tard, Michel de Ramsay va écrire un texte qui nous est fondamental, car il est du reste à la disposition de tous les frères dans ce qu'on leur donne dans les règlements et les manuels. Avant même que le rite écossais ne soit structuré dans ses 33 degrés, puisque le rite écossais ne sera structuré dans ses 33 degrés qu'en 1786. Et Michel de Ramsay écrit également, 2 ans avant l'excommunication par Clément XII de la franc-maçonnerie, qui date de 1738. Je crois que ces dates sont assez fondamentales. Qu'est-ce qu'il nous dit? Michel de Ramsay fait un discours en 2 grandes parties. Une histoire imaginaire de l'ordre, et il nous détaille les qualités pour être membre de l'ordre. L'histoire imaginaire, c'est de nous faire remonter au petit-fils du protoplaste, de Adam, c'est-à-dire à Enoch, le fils de Caïn, le bâtisseur des premières villes. Et là, j'ai toujours plaisir à faire remarquer à tous nos frères que nous nous rattachons, sur le plan du mythe, bien sûr à Adam, mais nous nous rattachons à Caïn, et non pas à Abel. Vous pouvez réfléchir sur ce que cela veut dire. Nous nous rattachons à ceux qui ont commis le premier meurtre, et donc la première transgression, et en même temps à ceux qui ont bâti la première cité. Je ne dis pas qu'il faut transgresser pour faire le meurtre, mais je dis que symboliquement nous nous rattachons à une transgression initiale, et que dans cette transgression, nous sommes devenus des constructeurs. Bien entendu, nous n'avons pas de filiation directe avec Caïn et Enoch, ça n'aurait aucun sens, mais symboliquement, il est bon de s'en souvenir. Et dans la deuxième partie, qui en fait était la première dans son texte, il nous rappelle quelles sont les qualités requises pour devenir membre de l'ordre. Il y a 4 qualités requises. La philanthropie sage, la saine morale, le goût du secret inviolable, et l'acquisition, et le goût des beaux-arts. Alors l'amour de l'humanité le conduit à proposer, philanthropie sage, une phrase qui me semble fondamentale et que je vous livre en la lisant très précisément, car tout à l'heure on a parlé d'une morale universelle. Michel de Ramsay, le monde entier n'est qu'une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant. Cette vision de l'universalité qui sous-tend l'action maçonnique est au cœur du discours de Ramsay et c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. Cette phrase est célèbre. Quelques lignes plus loin, il écrit ceci, c'est moins célèbre. Nos ancêtres les croisés, filiation mythologique complètement absurde, mais c'est comme ça dans son texte, ont imaginé un établissement, et là ça devient beaucoup plus intéressant, dont le but unique est la réunion des esprits et des cœurs pour les rendre meilleurs et former dans la suite des temps une nation spirituelle, la République universelle,
c'est une nation spirituelle. On passe quelques parties de phrases pour terminer par les liens de la vertu et de la science. Voilà ce que proposait Michel de Ramsay dans son discours fondateur. Et donc il établit un lien très fort entre la vertu et la science, entre l'éthique et les connaissances. Au fond, il établit un lien fondamental dans ce que nous appelons, et que l'on entend de temps en temps, le vaste domaine de la pensée et de l'action. Et là, nous sommes bien entre la loge et la cité. La saine morale, c'est la deuxième qualité requise. Et contrairement à l'ordre, à l'œuvre des ordres religieux ou des ordres militaires, parfois on a tendance à nous confondre ordre religieux, oui, ou ordre militaire parce que nous descendrions des Templiers, là aussi il est complètement fausse, nous ne descendons pas des Templiers, nous n'avons rien à voir avec l'ordre du Temple, et ce n'est pas parce que nous avons repris des éléments de la symbolique templière que nous sommes des descendants des Templiers. Il y a des mythes historiques qu'il faut détruire. L'ordre des francs-maçons, dit-il, est institué pour former des hommes et de bons citoyens. Et il ajoute, tous adorateurs du Dieu, mais pas de Dieu, du Dieu de l'amitié. Vous voyez bien tout de suite la différence fondamentale, former des hommes et de bons citoyens, dont la religion est d'adorer, entre guillemets, mais c'était un terme du XVIIIe siècle, le Dieu de l'amitié. Là aussi, développement simultané du maçon et du citoyen, et je recite la phrase, cherchant à bâtir, à éclairer l'esprit, à perfectionner le cœur et à inspirer le goût du vrai, du beau et du bien. Et Ramsay va conclure ce chapitre sur l'obligation que, et je recite à nouveau, les phrases sont claires et fondamentales, que l'ordre vous impose de rechercher tout ce qui peut contribuer à la paix, à la concorde et à l'union de la société. Voilà la deuxième qualité requise, mais c'est en fait le deuxième devoir qui vous est proposé. Concernant le secret, je ne m'étendrai pas là-dessus. Ramsay en rappelle la nécessité, mais nous en sommes tous convaincus. La dernière partie, là nous l'avons souvent complètement oubliée. Quand on parle pour les francs-maçons de se tenir au courant des doctrines philosophiques, scientifiques de leur temps, la plupart des frères vous regardent avec des yeux ronds parce que ça n'a apparemment rien à voir avec l'initiatique. Eh bien, Ramsay écrivait, pour cette quatrième qualité requise, le goût des sciences utiles pour entrer dans l'ordre. Il faut avoir le goût des sciences utiles et des arts libéraux de toutes les espèces. Et Ramsay va proposer quelque chose de fondamental à ses frères. Il propose, je recite la phrase, de s'unir pour fournir les matériaux d'un dictionnaire universel de tous les arts libéraux et de toutes les sciences utiles. Et il ajoute, et là nous y sommes restés fondamentalement attachés, parfois sans savoir d'où ça vient, la théologie et la politique seules acceptées. C'est de là que vient le fait que dans une loge de la Grande Loge de France, il n'est pas possible d'avoir des débats religieux ou politiques qui ne feraient que diviser les frères, tout simplement parce que l'essentiel, c'est d'acquérir le goût des arts et des sciences libéraux, des arts qui libèrent l'esprit, et non pas des discussions qui l'obscurciraient. Promouvoir une encyclopédie, vous me direz, oui, c'est dans le goût du XVIIIe siècle. Il ne fait que copier. Le discours de Ramsay, 1736. L'encyclopédie de Diderot, d'Alembert, d'Holbach, d'Helvétius, 1751 le début. Terminé en 1770. On est là au moins 15 ans avant le début et la jeunesse de l'encyclopédie que nous connaissons tous et que nous admirons. C'est-à-dire que, à ce moment-là, Ramsay est manifestement précurseur. Une encyclopédie, en plus, l'étymologie grecque est importante. Ankouklos paideia. C'est le cercle des connaissances. Le cercle de ce qu'il faut transmettre. Et ça n'est pas inutile de rappeler que ce terme encyclopédie, à ma connaissance, est apparu pour la première fois dans le domaine de la littérature française, dans le Pantagruel de Rabelais. Et si vous êtes Pantagruel de Rabelais, puis le tiers-livre, le quart-livre, surtout le quin-livre, vous comprendrez aisément qu'il n'y a rien de plus initiatique que Rabelais.
Mais là, c'est aussi une autre planche qu'on pouvait faire. Je voudrais simplement citer ce que Diderot écrivait 25 ans après Ramsay. 25 ans, un quart de siècle, pour expliciter le but de son encyclopédie. Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous. Alors là, franchement, mes frères, mes sœurs et mes frères, maçons ou non-maçons, on croirait vraiment un programme maçonnique. Transmettre aux hommes qui viendront après nous, c'est peut-être rassembler ce qui était part et le transmettre. Le programme de Ramsay est donc bien un programme précurseur de son temps, et il traduit parfaitement l'esprit du rite de l'ascension inacceptée, qui est toujours le nôtre, ou à qui, tout le moins, doit toujours être le nôtre. C'est-à-dire que nous n'avons pas seulement à transmettre des connaissances initiatiques, nous avons également à nous occuper de la connaissance des sciences de notre temps, des philosophies de notre temps, pour en faire une nouvelle synthèse dans nos loges maçonniques et pour le transmettre aux hommes qui viendront après nous. Le deuxième élément essentiel, le deuxième texte fondateur sur lequel je voudrais m'appuyer, c'est le Convent de Lausanne. Chacun sait que le Convent de Lausanne a été réuni pour régler le problème de savoir si l'on mettrait la Bible, si l'on garderait la Bible et l'invocation au grand architecte de l'univers. C'est en 1875. Ce sont les loges et le Suprême Conseil de France qui géraient les degrés du 4e au 33e qui géraient tout cela. Deux notions que certains ont peut-être oubliées. À cette époque, la Bible était présente sur les autels du Grand Orient de France, elle n'était pas présente sur les autels des loges de la Grande Loge de France. Elle n'était mise qu'en 1953. Je vous laisse méditer la divergence entre les deux obédiences. Par contre, le grand architecte de l'univers était invoqué à l'ouverture des travaux. Le Convent de Lausanne a été convoqué pour traiter ce problème, mais pour en traiter d'autres aussi. Et ces autres problèmes sont bien évoqués par... vous savez, dans une tenue maçonnique, il y a beaucoup de rituels, beaucoup de phrases, etc. Par la réponse qu'a fait le grand chancelier du Suprême Conseil de France, c'est-à-dire celui qui gère les relations extérieures, comme ça se passait à Lausanne, c'est le président du Suprême Conseil de Suisse qui présidait les débats, et c'est le grand chancelier du Suprême Conseil de France, la plus ancienne structure initiatique, qui lui a répondu. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Qu'est-ce qu'a répondu le très illustre frère Georges Guifray, dont on peut retenir le nom? Il a dit ceci: nous nous levons, c'est le Suprême Conseil de France, pour ceux qui sont maçons, vous allez voir, nous nous levons au nom de la conscience, au nom de la libre pensée. Aujourd'hui, on dirait plutôt au nom de la pensée libre, puisqu'il y a une organisation qui s'appelle la libre pensée, qui ne correspond pas du tout à la démarche maçonnique. Mais à l'époque, le texte est historique, nous nous levons au nom de la conscience, au nom de la libre pensée, prenons l'engagement de répandre l'instruction et la science autour de nous. Pas de répandre l'initiation. Prenons l'engagement de répandre l'instruction et la science autour de nous. Seul moyen d'apprendre aux hommes à connaître leurs droits et leurs devoirs. On ne peut pas être plus clair. Pour le Suprême Conseil de France, en 1875, l'élément essentiel de la démarche initiatique, c'est toujours de travailler à la gloire du grand architecte de l'univers en lui donnant une autre exception, chose que tous les maçons connaissent, mais c'est bien de répandre l'instruction et la science autour de nous. Et c'est le grand chancelier, le très illustre frère Georges Guifray, qui l'a dit, qui l'a écrit, et vous pouvez trouver la source très précisément à la bibliothèque de la Grande Loge de France. Là aussi, donc, il s'agit très clairement de travailler dans la cité. Les textes initiaux qui nous sont parvenus, là aussi, méritent un peu d'attention. Les textes initiaux, ce sont ceux du Moyen-Âge. Ces textes initiaux dérivent des statuts chauds qui sont en 1588, les statuts des corporations de bâtisseurs d'un certain Chaud, qui était l'intendant général des bâtiments du royaume d'Écosse. Et il y a un manuscrit, qui est le manuscrit Regius, qui date de 1390. À l'époque de cette filiation mythique, mais à l'époque nous en referons, de quoi était-il question? Il était question d'instruire à ce noble art de construire, puis d'apprendre à respecter, puis à connaître le grand art du géomètre,
la science et le noble esprit. Il s'agissait donc bien d'agir, de construire et pour cela d'apprendre. Et non pas d'apprendre des doctrines ésotériques initiatiques un peu fumeuses, non, d'apprendre des choses bien précises, la géométrie, pour s'en servir à l'extérieur. Et en même temps, il y avait dans cette démarche une démarche qui était une démarche éthique, dont nous nous sommes toujours inspirés, qui est toujours au cœur de la démarche maçonnique. Vous trouverez dans ce texte cette mention superbe en parlant de la corporation régie par les textes fondateurs, la corporation dont l'honneur est d'être intègre. La démarche éthique était déjà au cœur de la démarche. Or, si on se fixe sur des philosophes qui ne sont pas maçons, mais qui ont inspiré la franc-maçonnerie, vous trouverez un certain nombre de textes qui ne dépareraient pas nos rituels maçonniques. Michel de Montaigne, par exemple. Michel de Montaigne qui refuse strictement le dogmatisme. Pour quelques citations, peut-être simplement. Michel de Montaigne, dont la devise était « Que sais-je ?». La devise n'était pas « Credo ». Credo, c'est une devise religieuse, c'est même pas une devise, « Je crois quelque chose ». Pour Montaigne, c'est « Que sais-je ?». Montaigne refusait la certitude. Il ne refusait pas de chercher la vérité. Petite citation dans des essais. « Tant il y a que je me contredis bien à l'aventure, mais la vérité, comme disait Desmades, je ne la contredis point. » Mais pour Montaigne, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que la recherche de la vérité qui soit possible, et la recherche de la vérité, c'est bien ce qui est au cœur de la démarche maçonnique. Car Montaigne est très relativiste, et il nous dira quelque part plus tard, « L'impression de la certitude » si vous n'étiez pas convaincu de ce que je dis, l'impression de la certitude est un certain témoignage de folie et d'incertitude extrême. On mettrait ça dans un rituel maçonnique, ça ne me dérangerait pas du tout. Spinoza. Pour Spinoza, quelques phrases, mais qui sont aussi fondamentales. Pour Spinoza, contrairement à Platon, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une essence de l'homme quelque part, bien au contraire, pour Spinoza, c'est dans l'éthique. Nous désirons nous former une idée de l'homme qui soit comme un modèle de la nature humaine auquel nous puissions nous référer. Et plus loin, il va dire, de nous rapprocher toujours plus du modèle de la nature humaine que nous nous proposons de réaliser. C'est-à-dire qu'il est bien au clair qu'il ne s'agit pas de ressembler à un modèle qui serait donné par avance dans un espace divin que l'on pourrait comprendre. Il s'agit bien de se fixer nous-mêmes le propre modèle de la nature humaine à laquelle nous désirons ressembler. La démarche maçonnique, c'est bien de se proposer un modèle et d'essayer d'y arriver. Mais ce modèle, c'est bien l'homme, c'est bien le maçon qui essaie de le construire et qui se propose ensuite d'y arriver. Quelque part, cette démarche, c'est tout simplement d'être architecte de soi-même, de chercher à se construire, puis de chercher à construire la société. C'est bien le sens de la démarche maçonnique. Enfin, ce qui concerne l'universalité, je pense que je m'arrêterai là, parce que le temps passe. C'est sur Kant. Vous connaissez tous les formules de Kant. Certaines sont dans nos rituels. Elles sont malheureusement incomplètement dans nos rituels. Vous savez bien qu'il est question pour Kant de toujours traiter l'homme comme une fin et jamais comme un moyen. Mais la phrase complète est très intéressante. La phrase complète est la suivante. L'humanité elle-même est une dignité. Il s'agit bien de dignité. Car l'homme ne peut être utilisé par aucun homme, ni par d'autres, et ce qu'on oublie souvent, ni même par lui-même. Simplement comme moyen, mais il faut qu'il le soit en même temps comme une fin, et c'est en cela précisément que consiste sa dignité, grâce à laquelle il s'élève au-dessus de tous les êtres du monde. L'universalisme kantien se fonde sur cette phrase, et l'universalisme maçonnique se fonde également sur cette phrase. Aucun homme ne peut être utilisé par qui que ce soit, ni même par lui-même, comme un moyen. Cela veut dire que, des circonstances très concrètes, il n'est pas possible à un homme ou à une femme de se rendre esclave elle-même volontairement.
vous transposez ça dans la société moderne et dans quelques débats qui ont eu lieu l'année dernière. La burqa, par exemple, eh bien, l'universalisme maçonnique répond très précisément à la question, et l'universalisme kantien aussi. On ne peut pas, même volontairement, s'utiliser comme un moyen. On ne peut pas être esclave même de soi-même. À partir de là, on pourrait poursuivre la lecture de multiples grands textes, peut-être simplement ces trois-là. Refuser comme Montaigne le chemin simpliste du credo, pour préférer la quête du sens du que sais-je, c'est parfaitement maçonnique, la quête du sens. Choisir comme Spinoza la raison, car Spinoza choisit la raison et exclusivement la raison, et donc l'outillage rationnel c'est dans le texte, mes frères aussi, pour conduire sa vie et celle des autres hommes, fonder la réflexion éthique sur une loi universelle, la morale, gravée dans le cœur de tout homme, et affirmer comme Kant la primauté de la liberté, celle de la volonté et celle de la pensée, eh bien tout cela est au fond extrêmement maçonnique, et cela préfigure exactement tout ce qui figure dans nos rituels, et qui permet de comprendre que le franc-maçon se doit de suivre une démarche initiatique dans la loge, mais de poursuivre à l'extérieur une démarche initiatique. Au total, il n'y a pas des francs-maçons qui soient initiés dans leur loge et qui ne font rien à l'extérieur. Il n'y a pas non plus des francs-maçons qui n'agissent qu'à l'extérieur et qui ne font pas de démarche initiatique dans la loge. Il y a des francs-maçons qui se doivent d'être des citoyens dans la loge et d'être des initiés dans la cité. Vénérable maître, j'ai pas.